En fait, chacun d'entre nous est le résultat de tout ce que nous avons appris. Et ce que nous avons appris de nos cultures, de nos religions, de nos façons de vivre, de tout ce qui nous a été donné de croire, toutes les propagandes qui nous a été déversées. En fait, nous héritons de ce que la race humaine avant nous a conclu. Et quand tu as ces conclusions, alors tu t'identifies avec ces conclusions. Tu dis ça, c'est mon pays. Ça, c'est ma mère, ça, c'est mon père, ça, c'est mes enfants, ça, c'est mon argent. Et donc, on est identifié à tout ça. Et donc, on a chacun un point de vue différent de ce que la vie devrait être, puisque nous sommes identifiés à la conclusion qui devient nos propres conclusions. Et quand nous avons nos conclusions, nous réagissons avec ces conclusions-là. Et tout ça, ça s'améliore. Parce que quand on a réagi avec la conclusion qu'on a, on l'améliore et on va agir avec un peu plus de finesse. Et ça fait que nos sociétés évoluent avec ce que nous avons appris. Donc c'est toujours quelque chose qui s'améliore. Et demain, pour que demain arrive, eh ben, ce demain est devenu très important pour que nous puissions avoir le fruit de notre désir d'atteindre ce qu'il y a de plus beau pour chacun d'entre nous. Et chacun regarde midi à sa porte et crée son monde à son goût. Sauf que chacun d'entre nous le faisons et chacun regarde son intérêt. Et au bout d'un moment, il y a une rivalité dans toute cette activité. Le monde tel que nous le connaissons, c'est un paquet de rivalités, d'idées qui ne concordent pas les unes avec les autres. Ce sont des idées divergentes, des religions divergentes, et tout le monde tient à sa version des faits. Donc sa religion est importante, son pays est important, et on a tout cet environnement, cette culture que nous adoptons et qui devient en soi quelque chose de très important. Mais tout ça, c'est justement le fait que nous avons adopté une attitude, un comportement qui va avec tout ce qui a été conclu. Et ce qui a été conclu devient la norme établie que nous avons tous. Et cette norme établie est perdurée dans nos sociétés, dans nos quartiers, dans nos relations les uns avec les autres. Parce que tout le monde veut trouver dans tout ça une zone de confort. Et chacun fait sa zone de confort. Ce qui fait que nous sommes chacun d'entre nous dans une petite bulle, ou qu'on appelle moi, ma façon de voir, mes privilèges. Et tout ça, c'est le comportement d'une petite bulle qui ne veut pas partager, qui veut toujours s'enfermer de plus en plus pour être protégé de toutes les choses qui ne sont pas comme la bulle elle est faite. Donc, nous avons tous nos bulles, et chacun dans sa bulle prône son indépendance, prône ce qu'il croit, prône tout ce qui est bon pour lui, selon son intérêt, selon ce qu'il a appris. Et tout ce qu'il a appris est devenu, je dirais, presque sacré, parce que nous ne voulons pas le perdre. Parce que tout ce que tu as appris te donne un sentiment de sécurité. Tu as l'impression que les choses doivent être comme ça pour que tu puisses avoir la sécurité d'exister dans cette notion où les gens vont te reconnaître. Donc tu existes à travers ta religion, à travers ce que ton pays est, tu t'identifies aux gens de ton pays qui sont aussi français ou allemands ou
américain comme toi. Et donc, toute autre chose qui n'est pas de ta connaissance, alors il y a de la méfiance, il y a de la division. Et cette division crée la méfiance les uns envers les autres. Et on appelle ça l'individualisme. L'individualisme est né de cette division que nous avons à croire que nous sommes isolés dans une petite bulle et que dans cette petite bulle, il y a toute la sécurité qu'on a besoin. Mais en fait, c'est là la façon de créer en soi une prison dorée qui fait que nous ne voyons plus ce qu'il y a en dehors de tout ça. Nous sommes dans des sentiers battus, bien rangés, bien rodés, et nous pensons que au-delà de tout ça, il y a un danger. Donc l'individualisme devient de plus en plus sévère, de plus en plus ancré dans chacun d'entre nous, et nous le faisons vivre à nos enfants, nos générations d'après, où tout le monde s'enferme dans sa propre petite bulle en pensant que là, il y a de la sécurité, la zone de confort, tout ce qu'on pense être nécessaire pour être en sécurité et nécessaire aussi pour se faire valoir. Donc on apprend, on te dit depuis que tu es petit, ben va à l'école, apprends bien et tout ça viendra quand tu auras atteint ton but. Et le but à atteindre, c'est la réussite de se faire valoir dans ce petit monde compact qui a été fabriqué à partir de l'intérêt qu'on a pour une zone de confort. Donc ton désir, c'est d'avoir cette zone de confort. Ton désir, c'est de toujours être au-dessus de la mêlée, parce que tout le monde fait la même chose. Tout le monde court pour un peu de sécurité. Et on prône dans nos sociétés que ça, c'est l'ultime. Pour arriver à tes fins, il faut que tu sois comme ça. Sauf que si tu veux bien voir, si tu prends ton temps, si tu observes un peu le monde est dans une cacophonie complète puisque il n'y a que des bulles et les bulles ne se rencontrent jamais. Et tu peux voir que la fin de tout ça, c'est la guerre entre chacun d'entre nous puisque chacun regarde midi à sa porte et il n'y a personne qui veut donner de sa liberté d'être dans cette zone de confort. Mais ce n'est pas une liberté, quelque part. C'est l'emprisonnement que nous avons. Nous croyons être réconfortés là. Et pour nous, nous pensons que c'est ça notre liberté de pouvoir être emprisonnés. Nous sommes libres d'être en prison. En fait, il y a une autre vision de la vie qui est une perception beaucoup plus large où la prison n'existe pas. La prison, c'est une construction de ce que moi aimerais faire pour exister en tant que moi dans ce petit monde où tout est conforme à ce que moi veux. C'est la conclusion de tout un ensemble collectif qui va dans ce sens-là. Donc tout ça, c'est nous. Nous sommes le système que nous avons fait et nous sommes en fait tout ce qui émane de soi fait le système. Donc nous sommes tous coupables quelque part de ce qui se passe à l'extérieur de notre peau. Tout ce qui se passe dans le monde, eh ben, c'est le résultat de comment tu es à l'intérieur. Donc pour aller dans une autre façon de regarder les choses et pour ne pas s'emprisonner, est-ce qu'il serait possible de réfléchir un peu ensemble? Parce que toute l'idée est là, c'est que nous ne réfléchissons plus. On passe toute notre vie à courir après nos désirs et on ne prend plus le temps de se poser la question, est-ce que c'est ça la vie? Au fond de nous, on le sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais on fait comme si tout allait bien, on fait semblant et on dit ben, on va continuer comme ça puisqu'on est obligé. Et quand tu parles comme ça, alors tu perpétues le même système, les mêmes souffrances, les mêmes emprisonnements, où chacun regarde midi à sa porte, et en fait,
Il n'y a pas grande joie là. Il y a du plaisir probablement, mais c'est un plaisir éphémère où tu prends des choses qui ne sont que des illusions. Le bonheur pour toi est alors quelque chose qui est une illusion. C'est pas vrai. C'est quelque chose que tu poursuis. Et quand tu poursuis, tu as alors un peu de gaieté. Mais cette gaieté est à refaire à chaque instant. Et tu passes toute ta vie à accumuler du plaisir et à croire que c'est ça que la vie, elle te propose. Mais en fait, au-delà de tout ça, il y a une grande liberté. Parce que ta perception, elle s'élargit. Ta perception, elle est au-delà de ce que tu peux prévoir à l'avance. C'est-à-dire ce que tu sais ne peut pas t'indiquer qu'est-ce qui va venir. Parce que ce qui va venir, ce qui arrive à chaque instant dans la vie, c'est du neuf. Tu vois, c'est quelque chose qui est changeant d'instant en instant. Et si tu es pris dans cette petite bulle où tu t'es fait ta petite vie, alors tu seras tout le temps dérangé. Et la plupart d'entre nous n'aiment pas être dérangés. Donc on résiste, on se ferme encore de plus en plus pour ne pas être affecté par ce que la liberté de percevoir au-delà de nos sentiers battus nous permet de voir. Et pour aller au-delà de tout ce qu'il y a, eh ben, il faut que tu abandonnes ce que tu sais. Et ce que tu sais, c'est justement cette petite bulle que tu t'es construite et que tu t'es identifié avec. Et tu crois que c'est cela, la vraie vie. Mais en fait, au bout de moment dans notre vie, on souffre tous de cet emprisonnement parce que naturellement, l'esprit, lui, c'est un mouvement vers l'expansion éternelle. On est libre, ou l'esprit est libre d'explorer ce qui est inconnu. Et où il apprend à chaque instant que la vie est quelque chose qui est joyeuse, qui est émerveillante, resplendissante de beauté. Mais quand tu es dans ta bulle, tu ne vois pas cette beauté parce que tu ne prends plus le temps, tu es tout le temps occupé à garder le privilège que tu as eu dans ta petite bulle, tu vois. Et cette bulle, elle encombre l'esprit parce que ton esprit est encombré de ce que la bulle, elle propose. La bulle, elle propose mon argent, ma voiture, mon plaisir et tout ça. Et c'est devenu quelque chose qui est rentré dans les mœurs pour beaucoup d'entre nous, la plupart, je dirais. On court après ce petit bonheur que nous avons pu gagner avec tout ce que nous avons fait pour arriver à avoir ces privilèges. Tu vois? Et tout ça, c'est nécessaire, probablement. Tu sais, il faut avoir des choses pour pouvoir survivre dans ce monde. Une maison, des vêtements, de quoi manger. C'est normal, ça. Parce qu'il faut qu'on fonctionne. Le fonctionnement de l'homme a besoin de fonctionner avec ce que nous avons appris. Mais maintenant, quand on fonctionne de manière désordonnée, parce que nous voulons avoir toujours plus et nous ne sommes jamais satisfaits, alors le fonctionnement devient un cauchemar, parce que il n'y a jamais la paix, il n'y a jamais l'harmonie. Il n'y a jamais ce que tu aspires au fond de toi. C'est-à-dire, ce que tu aspires, c'est d'être délivré, d'être libre de cette bulle qui te pèse tout le temps et qui est tout le temps là, latent, et qui te dicte comment la vie doit être, et où l'esprit est condamné, prisonnier. Voilà. Être libre. Libre de la prison dorée que l'on se fait. Et pour faire ça, il faut que tu saches que tu es dans une prison. Ça, c'est très important.
Parce que la plupart d'entre nous, on ne s'aperçoit même pas qu'on est dans cette prison. Tu sais, c'est comme savoir que tu es égoïste, savoir que tu es violent, c'est très important, et accepter que tu es ça. Parce que si tu ne vois pas que tu es comme ça, alors tu continues à l'être sans t'en apercevoir. Et quand tu ne t'en aperçois pas, eh ben, quelque part, tu crées beaucoup de problèmes dans le monde, puisque ce que le monde est, c'est ce que tu es. Alors, peut-être faut-il ne pas être ce que le monde est, mais être rien, rien de ce que le monde est. Alors, tu es la paix, tu es l'ordre, tu es l'harmonie. Et tout ce que tu vas faire va créer de l'harmonie. Tu seras peut-être un don pour l'humanité qui souffre, un don d'amour.